c'est qu'on n'a même plus le droit d'aller aux chiottes tranquille. Bonjour ou bonsoir les gens, c'est Gorogorcillon qui vous parle en direct de la 13e partie de mon aventure Starbound. J'ai fait un petit peu de off, j'ai un peu équipé la maison. J'ai fait un drapeau hein, pour dire que c'est chez moi. J'ai fait cuire de la bouffe comme pas permis, j'ai fait fondre tout ce que j'avais trouvé comme matériaux. J'ai encore des choses qu'on poussait dans mon champ. Que j'ai d'ailleurs planté ce que j'avais trouvé aussi. Donc maintenant mon champ il s'étend super loin. C'est voilà. Le but aujourd'hui c'est que je vais partir en exploration, non pas sur ma planète mais sur les planètes adjacentes, en espérant avoir un peu plus de chance de trouver des donjons et des trucs, enfin pas de trouver les donjons mais de trouver un donjon intéressant qui ait des plans et des techniques et des trucs comme ça, histoire de débloquer du contenu parce que je suis un peu bloqué pour le moment. Je me suis fait des torches, je me suis équipé, j'ai fait de la bouffe comme un gros crevard, j'ai pris un feu de camp au cas où, j'ai plein de terre sur moi, j'ai un petit peu réarrangé les objets pour vider mon inventaire des trucs inutiles. C'est ça que je voulais faire, je vais me faire un drapeau, ça sert à rien mais c'est... Ce sera plus classe quand on arrivera. Ça, on pourra dire que c'est chez nous. Donc ici, il ne sera pas question de mettre une base sur la planète où on va arriver. Ça va, tu te fais pas chier, toi. Alors, on va commencer par mettre du carburant. Ouh, j'ai presque le plein, dis donc. Et on va... Allez, alors on a quoi comme biome à côté? Une forêt et un autre désert. Je vais commencer par le désert, comme ça on fouillera plus facilement une planète comme ça. C'est bien, ça ne me coûte pas de carburant d'y aller. Ah si, un petit carburant pour y aller, ça va, c'est pas trop. Alors, toi t'as de la bouffe, c'est ça l'avantage, c'est que si jamais je suis à court de bouffe, et que j'ai du mal à en trouver, je peux toujours lui en demander. Je sais plus quel objet me l'avait donné. Tu veux vendre de la bouffe? Eh ben tu ne m'en vendras pas. Voilà. Ça commence à meubler dans le vaisseau aussi. Bon, c'est la planète à côté. Il n'y a pas besoin de 2 heures pour y arriver quand même. J'ai pas une porte à mettre là. Voilà. Ah, on est arrivé. Donc la planète est petite. Donc normalement, je dois pouvoir arriver à en faire le tour. Ça, c'est notre planète maison. Mais t'es prié de fermer la porte quand tu l'ouvres, toi. Et on va descendre. Alors, je me demande si on se warp à la maison, si le vaisseau nous suit ou pas. Oh, ça commence bien, il y a déjà des plantes. Il y a déjà du charbon aussi. Bon, soyons logiques et partons par la droite. Alors du coup, je ne sais pas quelles bestioles sont agressives et lesquelles ne le sont pas. Apparemment, ça, c'est gentil, même si ça n'a absolument pas l'air. Oh, putain, ça s'enfuit quand on tape dessus. C'est bien la première fois que j'ai une créature autre que PNJ qui s'enfuit quand je lui tape dessus. Oula, oula, il y a des... Oula, il y en a un qui a un fusil derrière. Aïe, merde, je suis dans le trou. Je vais 2 heures les tuer avec ça. Ah bah attends, je vais prendre mon autre arme, ça ira peut-être mieux. Voilà. Ah, il avait une hache, lui. Je veux la même. Combat le plus débile du monde. Le mec il a un fusil, il me tire pas dessus. Alors est-ce qu'il
Ils avaient un campement, oui. Maintenant, ils avaient juste un truc comme ça. Bon, ici, on va faire des visites sommaires des endroits. Le but étant de trouver des donjons, des maisons et des trucs comme ça. Bon, je pourrais ramasser du charbon, mais il est dans la cobble. J'ai pas envie. Je trouve plein d'automatos. Si je peux avoir des recettes avec des automatos, ça serait bien. Je crois que pour les recettes automatos, il faut trouver un donjon glitch. Donc la mise à jour n'est toujours pas là. Elle était censée être là la semaine dernière, hein. On n'est plus à ça près. Alors, on va manger une petite banane flambée, puis on va s'attaquer au pain, histoire de vider un peu l'inventaire au fur et à mesure aussi. Il semble que la gravité est plus importante sur cette planète. Ouh, what is that? Un tombeau. J'ai vraiment une portée merdique avec cette arme. C'est bien d'avoir un bouclier, mais t'as aucune portée. Hein. Je sais pas. Bon, bah si ça je dois le garder. Si je veux avoir le bouclier. Oula, mais ça se téléporte ces sales bêtes. Ou alors c'était juste un bug. Ah, c'est ça que je voulais faire des bandages. Bon, c'est pas grave, je peux en faire. J'ai de la fibre sur moi. Encore du charbac. On va pouvoir visiter autant qu'on veut. Quand j'aurai fait le tour des deux planètes, j'ai les matériaux pour créer la carte pour le bêta. Je pense que j'irai y faire un tour. Ah, de l'or, ça m'intéresse pour ma pioche. Ah, encore une bestiole qui crache. Bug de la viande qui se balade. Et ça disparaît. C'est un peu beaucoup. Hop. On ramasse ce qu'on peut. Oula, il y a apparemment des bestioles qui s'énervent là-haut, qui attaquent les monstres.
Ah, il y a encore des... Oh putain, mais il y a des bandits partout sur cette planète. Qu'est-ce que ça veut dire? Genre, les mecs, ils ont des armes, ils me tirent pas dessus, quoi. Ça veut rien dire. Un coffre, cool. Putain, mais je trouve jamais un plan ou quoi que ce soit dans ces fichus coffres. Ah, des headshots, ça, je crois que j'ai pas encore. Et de la drogue. Des coffres, je commence à plus savoir quoi en faire. Ça, j'en ai déjà tout plein. Où est-ce qu'ils sont ces saletés de donjons? J'ai l'impression de sauter moins haut que sur les autres planètes. Ça se téléporte vraiment, ces saloperies. Alors, je viens de me rappeler que j'ai oublié de mettre le drapeau, donc du coup, je ne sais pas quand j'aurai fait le tour. Il y a beaucoup de fer là. Et un coffre perdu. Ah, ah, j'ai trouvé un instrument. Un banjo. N'importe quoi. De l'argent, des pixels, une arme pourrie, des cordes. Ok. Et de l'argent, j'en ai déjà. Ah, voilà une. Un bâtiment intéressant. Bon, ramassons ça d'abord. Alors, voilà déjà le genre de porte que je cherche pour ma maison. On a déjà commencé à piller. Il y a une table de torture. D'accord, je me retrouve à poil dessus. Je vais mettre ça dans ma maison. En cours de réassignement. Je casse tout, rien à foutre. Là, c'est vrai, ça les plateformes, on les fait comment ? C'est pas une lampe ça. Ok. J'ai trouvé une table de torture. Voilà qui est très très intéressant. Je sais déjà où je vais le mettre dans la maison. C'est que cet endroit du sable sec. Là, le sable est rarement mouillé, mais
Non, c'est du sable séché. Ce qui n'a aucun sens puisque le sable est déjà tout séché. Oh putain, quelle montagne! Accélérer un peu la chose. Ah, t'as pas eu le temps de te téléporter. Bon, niveau Charbac, on est tranquille. De ne pas péter, merci. Ouh, un coffre spécial, tiens. Ah, ça y est, on a trouvé. Ça unlock le plus jump crafting schématique. Cool. Et le coffre aussi, il est trop cool, je le prends. Alors, comment ça marche? J'ai appris une nouvelle technique. Cool. Eh ben voilà, on a enfin trouvé ce qu'on cherchait. On débloque du contenu. Ah, je suis enseveli. Sur la gueule. C'est fini, oui. Quel bordel. Ah! Moi, bon, et des sous, ça fait deux. Hein. Ah, là, il tombe. Une nuit très très claire d'ailleurs. C'est étonnant. Bon, alors ça va s'assombrir encore, mais... Ah oui, non, ça s'assombrit encore. Là quand même. Ah, un camp. Ok, c'est une charrette pour dormir. Je vais la prendre. Encore du charbac. Bon, non, pas ça que je veux. Moi, je touche plus à ces trucs-là. Ah oh, il y a un coffre en dessous. Voilà. Il y a un cacatoès qui me fait caca dessus. Méchant. Une hache pourrie.
vous laisser tranquille. Ah! J'ai pas trouvé de caverne très profonde sur cette planète par contre. Ah, il y a encore un camp. Ah, ah bah c'est un Apex, comme moi. Bonjour. Oups, je vais pas dormir, je vais te parler. Ah, tu vends des vêtements. Je m'en fous, j'ai une armure. Ici. Ah, t'es quoi qui t'es pris dans un piège. Gnac, 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 gnac. Un petit beurre gratuit. Et qui m'a rapporté 10 pixels. Tiens, toi aussi tu vas mourir. Je vais juste prendre les lampes. Pour décorer mon champ. La charrette, je l'ai déjà. Par contre, ici c'est un vrai désert, j'ai pas froid la nuit. Waouh, 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 waouh. Ok, ça c'est pas agressif. Je préférais le savoir. Oula oula, c'était quoi ça? Oula oula, mais y a... Ah putain, il y a une pluie de météores. Ouah. Tous aux abris. J'ai pas pris mon parapluie. Ah bah heureusement qu'on s'est pas établi sur cette planète. Hein. On va attendre que ça passe. Ça a l'air d'être passé. Ah, une pluie de météorites quoi. Dans de la cobble, non. Allez, éboulement. Il y a du fer là. Tac. Ah, on a enfin trouvé une grande grotte. Une grande grotte pleine de vide, mais... Et j'ai plus de torches. Bon, maintenant je peux y aller niveau torche, j'ai plus besoin d'économiser le charbon. De la copper. Pas de l'or, ça. Du monde là. Hey.
Oula, oula, c'est que ça crache des... Ça crache des météorites aussi, cette saloperie. On va aller voir ailleurs. Hein. C'est moi où il y a des menhirs là au-dessus. C'est marrant la façon dont la planète a été construite. Mais... Ok. Allez, monte. Monte. Bon. On n'y arrivera pas. Hop. Alors, je vois déjà qu'il y a une sale bestiole là. Ah oh, putain, Kakatoès. Ah putain, je me le suis pris quand même, saloperie. Ah, un bâtiment, cool. De copper. Ah mais c'est un bâtiment Apex Banana. Et je vois qu'il y a un coffre et un coffre spécial. Par contre je peux pas rentrer par la porte parce qu'elle est dans la terre. Bon, je crois qu'on ira plus vite en creusant la terre. Ça c'est quoi? De la déco, je prends. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Ah, putain, il n'y a rien. De l'or. J'espérais qu'il y aurait à moins un petit plan ou quelque chose, quoi. Une ou je m'en fous. Par contre, je vais prendre le coffre. On est mon inventaire. Ça se remplir. Allez, monte. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que c'est que tout cet argent? L'argent, il y a de l'or. Ah, il me semble que la nuit est bien longue, moi. Pas de l'argent, ça. Ben, pour une petite peine, elle est grande, quand même. Encore un bâtiment, cool. Ah, je pille, en plus que c'est de l'Apex, je vais pas me gêner. Alors là, il y a un coffre.
Allez, technologie APEC, s'il vous plaît. Ah! Bolt bulbe, je crois que j'en ai déjà ça. Du charbon. Oui, ce charbon, il est là. Du copper. De l'or. On va d'ailleurs réparer la pioche, tac. Des pixels et du fer. Quelques bâtiments Apex. C'est la guerre. Je vois rien. Oh putain! C'est la folie par ici. Il y a un peu trop de bestioles ici. Je me casse. Ah bah encore. Décidément. Par contre, il n'y a pas un seul Apex en vie. Hein. Bon, niveau pixel, ça va. Maintenant, je suis tranquille. Bon, niveau porte aussi, on va être tranquille. Un pic par là. Ok. Je sais que j'ai des trucs, mais de toute façon, on va encore explorer d'autres planètes, donc des matériaux, ça, je vais en trouver. C'est pas vraiment mon objectif. Les bâtiments qui m'intéressent. Allez, monte. Ah bah voilà, encore un bâtiment. Par contre, je sais pas comment je vais y rentrer. Ah, je vois une loupiote pour mettre dans le vaisseau. Je sais pas ce que c'était que ce bâtiment, mais... J'adore ces bestioles qui s'en vont. Ah, encore un bâtiment. Ah oh. Un avion. Tiens donc. Si on ne peut pas être trop agressif en arrivant, une pioche suffit. Bonjour. Tu es encore un vendeur de vêtements, bah décidément. Non, je n'aime rien du tout. Full count. Oust. Sors de chez moi, même si c'est pas chez moi. Tu vas crever. Maudit avion. Oui, je suis un enfoiré. Si vous suivez mes autres flirous, vous le savez. Hein. Alors... Ouais, c'est que de la viande, j'en ai déjà. T'avais quelque chose dans ta commode, non? Le lit, je l'ai déjà. Des lampes, ça m'intéresse. Ah là, il y a un faux sol. Oh, il y a un coffre caché. Avec absolument rien dedans. Alors, rien de rien. Ça m'intéresse. Ça
Ça c'est quoi? Roof tile. Comment on fait des roof tile? Faut la recette, je suppose. Est-ce qu'il y a moyen d'apprendre les recettes autrement que par le truc 3D là? L'imprimante 3D. Oh pardon, j'ai loqué. Ah, ça passe. Un coffre, encore un avian. Des bombes. Des cordes. Ça, on s'en fout. J'ai pas besoin. Encore un avian. Bon, j'arrive avec l'arme à la main cette fois-ci. Putain, mais ils vendent que des vêtements, ces saletés. Quand tu vendras autre chose, tu reviendras. Allez. Ah, il s'est fait buter par le monstre. Ah. Ouh, il y a de l'argent ici, tiens. J'ai faim. Ah oui, ça nourrit mieux que la viande quand même. Bon, l'épisode va être un peu plus long. Tout ça, on a déjà ça problème. J'ai quand même piqué les vitres. Ça, j'en ai déjà un dans le vaisseau. Ah oui, le sol caché par contre. Putain, mais que de la merde dans ces coffres. Fer. Des trucs que je peux jeter, je pense. Les faux sols, par exemple, j'en ai pas besoin. Même sur une petite planète, c'est long de faire le tour. Hein. Je m'attendais pas à ça. Il y a du charbac. Encore une chute de météorite. Ouah. Et j'ai plus de torche. Il y a le moment. Ouh, merci la chute de météorite. Ouh, double merci. Merde, sauf que je l'ai déjà celui-là, fait chier. Il m'a redonné le même que j'avais déjà. Au fond. Ouais, il me semble que je l'ai déjà. Apparemment, on est obligé de faire comme ça. Ouais, je la connais déjà. Bah, du coup, je vais l'acheter. J'ai pas besoin de la garder. S'énerve, je sais pas pourquoi. Ouais, la musique qui s'énerve, mais je sais pas pourquoi. Parce qu'il se passe rien du tout. Il y a plus de météorites. Je vais dire, il y a un truc bizarre, mais c'est la plante. Tac tac. Bon, ben, je crois qu'on finira pas le tour aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup plus long que prévu. Bon, là j'ai pas envie de sauter. Éboulement. Bon, ben, du coup, il faudra quand même que je saute. Ah, imbécile.
falloir score un petit peu, on sait jamais que je trouverai encore un bâtiment. Ou on va peut-être crever tout simplement. Ouais, j'aimerais bien terminer la planète avant de rentrer sur le vaisseau. C'est moi, il pleut. Ou c'est juste un bug. C'est juste un bug. Il n'y a plus rien par ici. Ah, un coffre. Oula, oula, et une grosse créature qui crache des bulles. Ah putain, ça c'est pas le moment. Ah, je l'ai eu. Qu'est-ce qui m'a lâché? White Spinbreaker. Je sais pas où c'est. Oui, ça c'était juste par curiosité. Alors c'est des trucs glitch qui étaient avec des avianes, c'est parfaitement logique. Non, c'est pas ça. Bon ben je sais pas ce qu'il m'a donné, je le vois pas. Ou alors c'est que j'en avais déjà sans le savoir. Bon, c'est pas grave. Avançons. J'ai vu qu'il y avait un coffre. Je vais être poussé. Ouah, des diamants! Ouh, j'ai trouvé des diamants. Ça, c'est cool. Des pixels et... Ça, c'est cool. J'ai l'impression que j'ai arrivé au bout. Bon, tant pis, je vais devoir arrêter la partie ici. On finira cette planète la prochaine fois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Ça aide et ça fait plaisir. C'était Gorgorcillon en direct de mon aventure Starbound. A bientôt pour la suite.